Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Death Door Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Siège de commission des faucheurs. Terminus! Elle peut te déplacer. Des portières de commission des faucheurs. Réveille-toi un peu, tu ne voudrais pas être en retard, non? Tiens, tiens. Regarde qui vient travailler, qu'est-ce que tu fabriquais? Tu baillais aux corneilles, enfin? Je me comprends. En tout cas, c'est ton jour de chance. J'ai une âme à te faire récolter. Et pas n'importe quelle, une âme géante. Pense à ta prime. Tu n'as pas oublié ton entraînement, j'espère. N'y laisse pas trop de plumes, les âmes géantes sont du genre coriace. J'appelle tout de suite ta porte. Avec une âme de cette taille, tu pourras même te permettre de prendre des vacances. Mais n'oublie pas, la porte restera ouverte jusqu'à ton retour avec l'âme spécifiée. Tant qu'elle sera ouverte, tu seras mortel. Et tu veilleras, alors ne traîne pas. On récolte des âmes pour ouvrir des portes, et récolte d'autres âmes, et le cycle se répète éternellement. C'est sans fin. Enfin bref, au travail. Fais attention à toi, hein. Ta mort entraînerait un tas de paperasse et je n'ai pas le temps. Curieux de ce jeu-là. Bosquet, des esprits en placement de l'âme assignée. Appuie sur A pour faire une roulade. Appuie sur X pour attaquer.
Je vais assez mon arc, voir avec d'autres boutins. Dire. Esprit de la forêt démoniaque. Ah ouais? Ouais, c'est normal. Cimetière oublié. Légion interdite. Ramasser une graine de vie. Prends-la dans un pot. Plante-la dans un pot vert pour obtenir un fruit d'âme que tu pourras consommer pour restaurer ta santé. Ramasser une masse d'énergie aminique. L'énergie aminique permet d'acheter des améliorations de faucheurs dans les salles des portes. Thank you.
Ok, quand il y a un... Faut tuer les... Parce qu'il y a un canot dessus. Et il y a deux ennemis à tuer. Ah, je comprends. Ok, ouais. Ça m'a pas expliqué c'était quoi ça par exemple. Vers le sommet. Ce que j'ai attrapé, est-ce que c'est une clé? Ouais. Quand? Bon. Ah, un faucheur. Mon temps dans ce monde est révolu. Pas est là. Pas est là, puis il n'y a plus rien là. À moins que je peux passer. Voilà. Ça ne rien donner.
gouttière oubliée. Petit corbeau, c'est de l'énergie animique que je sens. Approche si tu veux échanger ces âmes pour t'améliorer au combat. Bienvenue au coffre des âmes. Veux-tu améliorer tes compétences de combat? La force... Compétence du faucheur avec les armes de mêlée. Améliorer cette compétence pour infliger plus de dégâts avec les armes de mêlée et augmenter leur portée. Compétence du faucheur pour les attaques rapides et précises. Améliore cette compétence pour charger les attaques de mêlée et à distance plus rapidement et augmenter la vitesse d'enchaînement des attaques mêlées. Vitesse et agilité des faucheurs améliore cette compétence pour une plus grande vitesse de base des esquives plus rapides et des délais de récupération moins lents entre les esquives. Et ça coûte 400, ok, j'en ai pas assez. Oh, c'est pas vrai! Tu as perdu ton âme assignée! C'était la seule chose qu'il te fallait pas faire! Eh bien, repars d'où tu viens et ne viens pas avant de l'avoir trouvée. Toi, t'es qui? Tu as perdu ta cible? Ça, c'est moche. C'est calme depuis quelques années, sûrement grâce au progrès de la médecine, ça m'exaspère. Il nous faudrait une bonne petite peste, sinon ça va finir sur la paille. Une peste. Une maladie. Tu as mis un sacré souk pendant ta dernière mission. Des craintes, jolie plumeau, je m'occupe de la paperasse. Il va me falloir encore plus de formulaires, c'est mon jour de chance. Je pense du jeu, mon bonbon. Encore un peu tôt, là, mais... Salut, Nord, comment ça va? J'ai pas rentré là-dedans. What's up, Nord?
de la même place. Effectivement. Je vais pas être bloqué déjà, il y a quelque chose que je vois pas là. À moins fallait que je tire dessus. Ah, un faucheur montant de ce monde est révolu. C'est-tu lui l'âme ou quoi? C'est fâcheux, je suis toujours vivant. Désolé, il faudrait peut-être une attaque plus puissante. Comme celle-là? Non, je suis toujours là et bien vivant. Et si tu prenais ton élan pour voir? Ah. Désolé, ce n'est pas ta faute, ça arrive à tout le monde. Je crois que je suis condamné à la vie éternelle. C'est inexplicable. J'ai passé des années à chercher la réponse. Je suis José Pulture, le gardien des tombes de la montagne sacrée. Oh, si jamais tu deviens plus fort, n'hésite pas à revenir pour essayer de me tuer. Pas de soucis, monsieur. Je vous tue n'importe quand. Si j'ai un gardien de la porte, défenseur de l'ordre, refuge des armes égarées... C'était pas fort, ça. Alors, j'ai cru que je m'avais bugué. Plus de pouvoir. D'accord.
sommet. C'est pas pire jusqu'à date, c'est divertissant, là. Simple structure à une jumelle. Le secret est caché dedans. Je peux pas aller là. L'ancien hôtel te fait un don d'un fragment de cristal de vitalité. Récupère-en 4 pour augmenter la vitalité au-delà de tes limites, de ses limites. Ok, quand j'en ai 4, je peux avoir un autre point de vie en doute.
Non! Tu es mort, oui, je le sais. C'est rien, tu meurs. Ok, je suis ce que je suis. Oh, j'aurais pu aller puis juste monter là au lieu de faire de grands détours. Ah, tabac. J'essaie de me tasser, puis ça n'a pas marché.
Tabarnak. Est-ce que c'est ça? Bon, enfin. 2 heures plus tard. Non, je suis ce que je suis. Non! J'étais... Il y avait une fleur en haut, si j'ai pas été à la bonne place. Gardien de la porte. Tu es mort.
pas de la facile, ce boss-là, mais... Vos gens de pouvoir améliorer cette compétence pour infliger plus de dégâts avec des sorts et vraiment déportés. Là-dedans, tu peux aller puis looter. Tu peux monter tes levels si tu veux, genre... À chaque fois que tu tues un monstre, ah, tu reçois des points. Mais un point, donc tu peux quand même te dire, OK, je vais tuer 400 monstres et je vais augmenter mes capacités. Je dirais que j'étais proche. Les boucanesses, t'sais. Je m'aurais pas fait toucher au début en me trempant de boutons, là. Je m'ai fait toucher, ça c'est con. Allez, je me trempe encore de boutons. Ok, c'est encore pire. Trempé de boutons, je suis habitué avec un autre jeu que c'était le joystick, puis là je fais ça avec le joystick au lieu de... C'est
Yes. Tu fucking niaises. Yes! Évine de Boussailleuse. Thank you.
C'est quoi ça? Tu as trouvé de l'encens. Son odeur est très prononcée. Oh, salut l'oisillon. Désolé pour le coup sur la tête, mais j'avais besoin de cette âme. Tu sais, j'étais fauché aussi, comme toi. Il y a des années, ma cible m'a échappé, il m'a fallu des mois pour retrouver sa trace. En arrivant, j'ai découvert qu'elle avait franchi cette porte, c'est incroyable. Sais-tu où nous sommes, oisillon? Non, mais je sens qu'on va le savoir. Hein? La porte de la mort. Fin de toute vie. Je pensais que c'était une légende. Comme tu sais, les portes sont alimentées par l'énergie des âmes. Qui sait, si je disposais d'assez de puissance, je pourrais même forcer celle-là. Hélas, l'âme que j'ai volée ne suffisait pas. Je crois que nos destins sont désormais liés aux ions. Comme tu n'as pas accompli ta mission, ta mort est inéluctable. Ton âme, qui est maintenant derrière cette porte, tu es pris au piège comme moi. Mais la fortune nous sourira peut-être. Ces terres maudites sont cachées aux yeux des faucheurs et comme épargnées par les lois de la nature. Les créatures qui les hantent peuvent vivre bien au-delà de leur temps, grandissant et se renforçant sans cesse. J'en connais trois sur ces terres, dont la puissance combinée des âmes pourrait nous permettre d'ouvrir cette porte. Au nord, vit une vieille sorcière, prête à tout pour échapper aux griffes de la mort. Au-delà de la forêt, les rois, autoproclamés, règnent sous les ruines d'une cathédrale inondée. Et au sommet d'une montagne à l'ouest, vit une bête immortelle, immémoriale, sauvage et féroce, sans désir ni envie. Je suis désolé de te mêler à tout ça, Ozian, mais j'ai atteint un âge avancé, mon corps est fatigué. À toi de choisir ta voie. Tu peux partir à l'aventure et récolter ces âmes géantes, ou choisir l'inaction et connaître le même sort que moi. Veux-tu que je te guide pour la prochaine étape? Tu devrais aller au nord. Là-bas vit une vieille sorcière prête à tout pour s'échapper de la mort. Oh, t'es gentil. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead's Door Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!